Zot Morgen Ale Iden. L'étude sera aujourd'hui l'Irfurat Arav Yosef Chaim ben Emma Simcha, l'Arav Moshe Rafael ben Gidel, Betor Shar Chole Israël. Si vous souhaitez vous dédicacer une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Et nous étudions Baba Metzia, Perek Dalet Mishnah Yud Bet. Atagar Notel Mechamesh Geranot, Venoten Letoch Megura Achat. Mechamesh Gitot, Venoten Letoch Pita Mechad. ובלבד שלא יהיה מתכוון לערב. רבי יהודה אומר, לא יחלק החנווני כליות ואגוזים לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבוא אצלו, והחכמים מתירים. ולא יפחות את השער, והחכמים אומרים, זכור לטוב. לא יעבור את הגריסים, דברי אבא שאול, והחכמים מתירים. ומודים שלא יעבור מעל פי מגורה, שאינו אלא כגונב את העין. אין מפרקסים לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים. On continue avec les lois d'escroquerie, avec cette fois-ci une nouvelle direction, c'est la concurrence. C'est un sujet très complexe dans le prochain Mishpat. Je dis très complexe parce que ça m'est déjà arrivé de l'étudier et je suis sorti sans règles et définitions assez claires. Là, on a une Mishnah, c'est des sougdotes qui se trouvent essentiellement dans Baba Batra en réalité, mais là, on va déjà avoir une Mishnah qui va quand même nous évoquer quelques directives. On commence. Bon, la première, ça rejoint ce qu'on étudiait hier, donc on le fait tout de suite. Atagar notel mechamesh geranot venoten netoch megura achat. Un tagar, on l'a déjà évoqué, c'est un, je sais pas comment ça se dit, un négociant en bon français, quoi. Un grossiste, quelqu'un qui va acheter des marchandises et qui les revend ensuite. Ça, c'est un tagar. On va appeler ça un grossiste. Et alors, la Mishnah nous enseigne qu'il a le droit d'acheter, lui, de 5 sortes de granges, donc chez les 5 agriculteurs différents, il achète un peu de chacun, il achète 100 kg de blé d'ici, 100 kg de blé d'ici, il mélange tout dans un grand conteneur, ensuite, il s'occupe, lui, de revendre ce blé. Et il n'y a pas de problème d'escroquerie. On apprenait hier qu'un seul propriétaire n'a pas le droit, lui, de vendre une qualité à titre d'une autre qualité, dans la mesure de différence. Par contre, chez le négociant, le grossiste, il a le droit de le faire. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait très bien que le négociant achète de tout le monde et revend tout le monde. On va pas se soucier, il n'a pas à se soucier que peut-être que quelqu'un va ouvrir d'un coup la Megoura. Donc la Megoura, ça se traduit en français de Megira, un tiroir, mais ce n'est pas le mot ici. Megoura, c'est un conteneur, quelque chose qui contient. Mais la chambre, il est Egor. Oger, en hébreu, c'est rassembler, d'accord ? Donc, lui, on sait très bien, donc on ne va pas se soucier. Peut-être que je vais ouvrir son conteneur, je vais sortir une première qualité, je vais me dire, ah, il a de la belle qualité aujourd'hui. Je sais très bien que ça ne veut rien dire. Chez lui, peut-être que là, je vois qu'il y a de la bonne qualité, je vais arriver derrière, je vais tomber sur une qualité beaucoup moins bonne. Et donc, étant donné que tout le monde sait qu'il mélange plein de qualités en même temps, il n'a pas à se soucier de ne pas mélanger des bonnes qualités avec des mauvaises qualités. C'est ce que la Mishnah nous dit. Atagar notel mechamesh geranot venotel netoch megura achat. Le grossiste acquiert de 5 granges venotel netoch megura achat et il pourra ensuite tous les réunir dans une seule megura, un seul conteneur. Mechamesh idem aussi pour mechamesh gitot. Il pourra acheter de 5 gitot, c'est là, des pressoirs de vin. Donc il achète du vin là-bas. Et de nouveau, Venoten, les Tor, Pita, Mechad. Et il les mettra ensuite dans un seul grand fût, ensuite pour le faire vieillir le vin. Et il n'a pas à se soucier, parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas lui-même de plantation et qu'il s'occupe d'acheter des autres. Attention, condition. Ou Bilvad, Sheloyehe, Mitkaven, Leharev. À condition qu'il n'y ait pas d'intention de mélanger. De quoi parle-t-on? C'est très simple, Bartanoram nous l'expliquait, c'est fondé sur la Gemara. À condition qu'il ne se soucie pas, qu'il ne fait pas de vice, en fait. Qu'il ne se soucie pas de partir acheter devant tout le monde, de faire le beau, d'aller acheter la belle qualité. Mais en fait, en réalité, il achète 60% de la bonne qualité. Donc tout le monde voit qu'il ressort avec plein de quantités de chez le bon grossiste. Et en réalité aussi, il se fournit aussi chez le mauvais en cachette. Et comme ça, tout le monde va dire, ouais, il a de la super cam, c'est un bon grossiste, lui. Comme ça, tout le monde... Et là cette fois-ci, puisqu'il fait vicieusement, il a l'intention de rouler les acheteurs potentiels, alors là, ça lui interdit. Donc il doit se conduire normalement, d'accord, c'est clair. On continue avec la Mishnah. Et donc là, on va commencer à parler de la concurrence.
Regardez ce que Rabbi Yehuda nous dit. Je dis tout de suite, on va se retrouver dans une Mishnah avec deux machlokot, avec Rabbi Yehuda et Chachamim. On va voir Rabbi Yehuda qui est très strict sur la concurrence. Il ne permet pas à un vendeur de bouger le petit doigt de peur qu'il va apporter préjudice à celui d'à côté. Ça va s'exprimer de deux manières. Premier cas, Rabbi Yehuda Omer, Lo yechalek achenvanik layot ve'egozim latinokot. Un vendeur, un épicier, n'a pas le droit de distribuer des clayotes ve'egozim. Clayotes, c'est des graines grillées, j'imagine, c'est des, je sais pas, des pépites et des choses comme ça, qu'on donne aux enfants, mais aussi des egozim, des noix. À l'époque, dans la Gemara, on parle souvent des clayotes ve'egozim. C'était les sucreries des enfants. Ils aimaient bien ça, les enfants, donc on leur donnait ça. Donc en fait, Rabbi Yehuda nous dit, si toi t'es épicier, quand il y a un gosse qui vient en cachette, t'as pas le droit de lui sortir. Avant de partir, tu lui glisses comme ça 2-3 noix systématiquement. Pourquoi ? Parce que ensuite, quand son père va l'envoyer acheter, il va sans arrêt partir chez toi spécifiquement. Pourquoi ? Là, tu as roulé. Tu as volé. Le problème, ce n'est pas le problème de rouler le père, cette fois-ci, c'est de voler les clients des autres voisins. C'est un grand chidouche. Je vous ai dit, c'est des lois très compliquées. Je suis sorti de ces lois, une fois, j'ai essayé de les étudier un petit peu, je suis sorti flou au possible. Je n'ai pas réussi à trouver de règles. Enfin, là, quoi qu'il arrive, Rabbi Yehuda n'est pas à l'alakha, donc il y a peu d'intérêt quand même. Donc, là, cette fois-ci, l'alakha va être fixée comme Chachamim, mais quand même. Même Chachamim, on va l'expliquer tout de suite, regardez. Le Yechalek, donc il n'a pas le droit de distribuer ses graines grillées, parce qu'il les habitue à venir, avec des mauvaises considérations en fait, à venir chez lui acheter spécifiquement. Vachachamim matirin, et Chachamim permettent. Pourquoi Chachamim permettent? C'est important à savoir. Il y a en théorie un problème, seulement il y aura une solution. C'est que Chachamim permettent, parce que le voisin, l'autre épicier, n'a pas à se plaindre. Ce vendeur va lui dire Anna paligna amagosi adplik shwiski, oshiski. C'est les mots de la Gemara. Moi, j'ai décidé de distribuer des graines, des pépites. Bah, t'as qu'à toi aussi distribuer des chisquis. Je sais pas c'est quoi des chisquis, si c'est des. Quelle sorte de fruits sympathiques, des fruits secs, ou je sais pas exactement. En tout cas, moi, j'ai donné des bonbons, t'as qu'à donner des chewing-gums. On déduit de là que si on se retrouve dans une situation où on ne peut pas matériellement le faire, je ne sais pas moi, alors ça sortirait qu'il y aura un interdit. J'essaie d'éclaircir, je vous ai dit, je n'ai pas trouvé ça. Ça se trouve dans le prochain Mishpat, Siman Resh Rafret, Alacha Yutret. On est là, pas pour approfondir le sujet, mais uniquement pour découvrir l'interdit quand même, c'est intéressant la concurrence donc. Autre cas. Velo Yifrot et Achar. Regardez là. Il n'a pas le droit non plus de casser les prix. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. C'est quoi, il frotte et ta char? On parle de quelque chose qui a un char, un cours fixe. Donc, il y a un cours fixe. Ça a été calculé par les commerçants de la ville et tout ça pour avoir une certaine moyenne, un certain rendement. C'est important de ne pas casser complètement le commerce parce que, bien évidemment, après, on va se retrouver avec des gens qui ne voudront plus vendre. Ils vont trop perdre. Donc, on est obligé de garder une certaine moyenne, une constante. Et donc, tu n'as pas le droit de baisser le char, le cours, sans de toi-même. Les Chachamim omrim, Zachor Letov. Et Chachamim, ils nous disent, Adraba, ce super Zachor Letov, qu'il soit béni celui qui le fait. Grâce à lui, on va se retrouver finalement à faire baisser les prix de tout le quartier. Veinematov, c'est super, au contraire, c'est parfait. D'accord? On continue maintenant avec un autre cas. Lo yavor et agrisin, divrei Abba Shaul va chachamim matirin, on me dit shelo yavor mais alpi amegura. Ça, c'est très fréquent au marché. La belle, vous connaissez sûrement la scène, quoi. La belle qualité en haut, quand vous venez vous commander du vendeur, il vous prend la qualité pourrie qui se trouve derrière, là, il vous remplit les sacs, il vous les donne. Vous arrivez à la maison, vous vous demandez est-ce que c'était les mêmes fruits, Bichlal. D'accord? La Mishnah nous dit, lorsqu'on vend des. Supposons par exemple qu'on vend, je sais pas, on va vendre du blé. Maintenant, à l'intérieur du blé, il y a systématiquement des petits cailloux. Et alors, question, est-ce qu'on a le droit de trier les petits cailloux pour vendre une qualité beaucoup plus pure de blé, où il n'y a pas dedans de obsolète, il n'y a pas de déchets, de résidus? Est-ce qu'on a le droit ou pas? La Mishnah nous dit, lo yavo et agrisin dil rabba shaul. Rabba shaul nous dit, tu n'as pas le droit de trier les grisines. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer dans 2 secondes. La chachamim matirim, les chachamim permettent. Ou modim, chez l'oyavor, mais alpi amegora. Par contre, une chose qui est interdite, c'est de trier uniquement ce qui est superficiel
parce qu'il est uniquement en train de tromper l'œil. On récapitule. J'ai ma marchandise. Maintenant, c'est une marchandise où naturellement il y a dedans plein de obsolètes, de résidus, de déchets, de dépôts. Et un interdit admis par tous les avis, c'est de trier, de faire que la qualité supérieure soit bonne, tandis que la qualité en dessous est mauvaise. Tout ce jump top déduit, il précise des mots de la Mishnah, qu'on parle même du cas où je préviens l'acheteur. Je lui dis attention, tu vois que c'est de la belle qualité, sache que ça, j'ai fait ça pour attirer un petit peu les clients, mais en réalité, même si je le préviens, j'ai pas le droit de le faire. D'accord? Parce que finalement, je lui trompe l'œil et il va finir par s'embrouiller. Ça, c'est quand on fait du toc. Superficiellement, c'est beau et à l'intérieur, c'est mauvais. Ça, il n'y a même pas de discussion, c'est univoque, c'est interdit. Quand il y a la discussion entre Rabbi Shaul et Chachamim, on parle du cas où il va trier toute sa marchandise. Donc, il va trier sa marchandise. Supposons que la marchandise coûte 10 shekels le kilo. Quand il y a dedans, on se retrouve de temps en temps avec des petits cailloux et tout ça, donc le poids, il est à 10 shekels. Concrètement, si on devait déduire uniquement les cailloux retirés, on tomberait avec un prix net à 11 shekels le kilo. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il trie son blé et il le vend à 12, 13, 14 et même 15 shekels. Il s'est fatigué à le trier. Abba Shaul nous dit, t'as pas le droit de le vendre. Pourquoi? Parce qu'on va craindre qu'il y a des acheteurs qui vont venir, qui vont pas assez calculer combien il va économiser ou dépenser par le fait que tu as toi-même trié le blé. Peut-être qu'il va se dire, ah, ça vaut le coup. Ouais, vous savez bien, quand on achète par exemple du poisson qui n'est pas encore décortiqué, il y a à peu près, je crois que c'est l'équivalent de 35 ou 40% du prix qui va à la poubelle, entre la peau et les arêtes et tout ça. 35%, vous savez qu'acheter un filet de saumon, si vous achetez du saumon, ça va vous coûter, je sais pas, 50 shekels le kilo. Si vous l'achetez décortiqué, vous le prenez vous et vous le décortiquez, alors il va falloir acheter concrètement l'équivalent de 30% de son prix. 30 ou 40% de son prix, ça c'est le prix net. Une fois qu'on a jeté les déchets, d'accord, c'est ce que ça coûte. Alors maintenant, c'est la même idée. On va vendre du saumon, mais une fois décortiqué, alors que tout le monde ne le fait pas, bien sûr, il n'y a pas de prix fixe, il n'y a pas de char, il n'y a pas de cours pour ça. Et alors, on va décider à le vendre maintenant le saumon à deux fois plus cher. Il va y avoir quelqu'un d'un peu niais qui va venir, qui va se dire, ah, c'est super, c'est décortiqué, je suis sûr que j'économise pas. Il va commencer à se tromper. Abba Shaul nous dit, t'as pas le droit de commencer, tu le fais pas. Et Chachamim nous dit, t'as le droit, ça va, je suis pas en train de te tromper, t'as calculé toi-même. Ouais, les gens un petit peu futés dans la vie, ils calculent, ils se renseignent, et il n'y a pas ici une grande arnaque. Il n'y a pas de tromperie, officiellement. Donc en fait, on a ici une machloket entre Abba Shaul et Chachamim. La halakha est fixée comme Chachamim, dans la mesure où je ne trompe pas. Ce que je le vends, c'est net devant nous, il a qu'à lui-même faire ses calculs. Il n'y a pas de tromperie, la halakha est de nouveau fixée comme Chachamim. Heureusement, on a une Mishnah qui nous apprend déjà 3 coulottes comme Chachamim, 3 permissions comme Chachamim. Donc la permission de distribuer des bonbons aux enfants, distribuer le droit de baisser le cours pour attirer les clients. Concrètement, le client, je ne le trompe pas, je le vends moins cher, donc je ne l'ai pas trompé. Et par rapport au voisin, mais il a quand même aussi baissé les prix, et ce sera que Zahor de Tov. Et troisième cas maintenant, c'est de vendre une belle qualité. Donc concrètement, moi je fréquente Shaare Chesed, un quartier anciennement Yerushalmi de Jérusalem, quoi, où c'était très Yerushalmi, où il y avait plein de tzadikim qui vivaient là-bas. Depuis, c'est devenu un quartier très moderne de Rechavia, et il y a là-bas une belle macolette qui vend, qui entretient les fruits. Ils sont toute la journée en train d'astiquer les fruits, c'est brillant, c'est pas pensé, ça vaut le coup de voir, vraiment. On trouve là-bas tous les fruits qui brillent toute l'année. Alors concrètement, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? La Mishnah nous enseigne, oui, la halakha est fixée comme Chachamim, dans la mesure où ils ne trompent pas en faisant juste la partie extérieure, mais toute la marchandise, c'est de la belle qualité, il peut la vendre, et même la vendre très cher, elle coûte réellement beaucoup, elle coûte 2 et 3 fois plus cher que ce que ça coûte en général dans le reste de la ville, parce que tu n'es pas obligé de venir acheter. Là-bas, il y a plein de riches américains qui viennent, qui achètent, ça leur plaît. Ça, c'est la vie de Chachamim, elle est fixée, d'accord? On continue maintenant avec la dernière partie de la Mishnah, attention. On n'a pas le droit d'embellir, d'enjoliver, de maquiller un homme, une vache ou des ustensiles. De quoi parle-t-on? On parle d'objets que l'on veut vendre, ou même d'hommes, d'esclaves qu'on veut vendre, qui sont vieux. Et pour les rajeunir, on leur jette un petit coup de peinture, mais c'est pas qu'ils vont concrètement devenir beaux. Ouais,
La Gemara rapporte une histoire un petit peu rigolote d'un esclave qui s'était teint les cheveux et la barbe en noir, il avait mis du cirage dessus, et ensuite, il est parti chez Rava, Ravana Paché, il est parti chez Rav Papa, et Rav Papa l'a acheté, et puis je ne sais plus à quelle occasion, il s'est retrouvé à passer sous un cours d'eau, et d'un coup Rav Papa il a vu, il a dit quoi, t'as l'air plus vieux que mon père ou que mon grand-père, je ne sais plus, d'accord, vous voyez l'arnaque, c'est un vieux croudon, et voilà, il s'est fait passer pour un petit jeune homme. Idem aussi pour une vache. On parle de quoi pour la vache? On parle qu'il lui fait boire. Alors là, on lui fait boire de l'eau, apparemment, dans laquelle il y a eu de l'orge qui a trempé, ou je n'ai pas tellement compris le procédé. Ça lui permet de gonfler le ventre. Ça fait que quand je demande la vache, tu vas t'imaginer que tu achètes une vache grasse. En réalité, elle est gonflée de vide. D'ici deux jours où elle va redescendre un régime alimentaire normal, elle va redevenir tout à fait normale. Donc, je t'ai arnaqué, on n'a pas le droit de le faire. Idem aussi, Velo et Takelim, il prend des vieux ustensiles, il leur jette dessus de la peinture, on les voit, on a l'impression qu'ils sont tout beaux. En réalité, ils sont rouillés et sur le point de se casser, on n'a pas le droit de le faire. Et on fait à présent le Barthénora. Atagar notel mechamesh granot. C'est dur de parler aujourd'hui, désolé, hein, mais. Atagar notel mechamesh granot. Donc, le grossiste, négociant, a le droit d'acheter de 5 granges. Chacun le dit, tout le monde sait qu'il n'a pas élevé ça chez lui-même dans ses propres champs. Tout le monde sait qu'il achète de plusieurs personnes et tout le monde achète avec intention qu'il achète effectivement de plusieurs producteurs. Megoura, il les met dans une seule Megoura, une seule caisse, container. Otsa, Shogrin, Botvoa. Un conteneur donc, où dedans on rassemble, une grange dans laquelle on rassemble toutes les céréales. Goren, Hush, Adashin, Boet, Advoa. Il nous explique que le Barthénora, c'est pas une Megoura, c'est pas un Goren. Le Goren, une grange, c'est spécifique à celui qui bat son blé. Un grossiste n'a pas de grange. On a une grange quand on a une récolte qu'on a abattue, et qu'ensuite on a fait entrer dans la grange. Ou sinon, on a un conteneur, on a, je sais pas, une cave, je sais pas comment on peut dire ça en bon français, mais voilà. Mais derrière, Atagar, Liknot, Miba, les Batim, Bishatagor, et Nolachnis, la Megora, Shalo. L'usage de ce négociant est d'acheter de plusieurs producteurs et de tout rassembler dans une même caisse. Pitam. Alors là, c'était l'histoire avec le vin. La même aussi, de la même manière, il achète de 5 caves. Ouais, en français, je pense que c'est une cave. Il achète de 5 caves et il les réunit chez lui. Ensuite, il en fait une seule cave. Pitam, c'est là, c'est une gigit de là, un gros fût. Au bilvad, chelit, kaven, l'arvan, la Mishnah a précisé, à condition qu'il n'ait pas l'intention de mélanger. De quoi on parlait, le otsi kol, de faire sortir une voix, une rumeur. Liknot arov mimakom meshubach learev bo mimakom acher. Veshrenav sourim, je sais pas la perot, motomakom. Qu'il en fait, il achète essentiellement d'un seul producteur qui a de la bonne qualité, afin de faire courir la rumeur qu'il achète que de là-bas, mais en réalité il achète aussi d'ailleurs. Ensuite, Velo Ifrot et Tacha, là on apprenait maintenant pour le Chenvani, l'épicé qui n'a pas le droit de faire baisser, de casser le cours. L'imkor bezol de vendre nettement moins cher, mais pénéchou margil la voitzlo, ou mekapeach mezonot chaverav. Parce que par cela, il habitue les gens à venir constamment chez lui, et donc il vole ses concurrents. C'est un coup bas, un coup interdit. C'est des grandes halakhot sur ça, dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit. Les gens de la ville, ils ont une halakha spéciale par rapport à quelqu'un d'extérieur qui va se mettre à venir vendre. Il y a plein de halakhot. Zachor letov, Chachamim nous disait, super, qu'il soit béni. Shelitor kach, otsre perot mochrin bezol. Il est vrai que sur le coup, pour la prochaine semaine, tu vas porter préjudice un petit peu aux autres épiciers concurrents. Mais grâce à toi, on va se retrouver dans une situation où finalement, les prix des producteurs vont eux-mêmes baisser, et donc on aura gagné, qu'on aura obtenu des fruits à bas prix. Le Ren al-Kha est ainsi fixé à l'Alakha. Grissine, ça c'était où les grissines? Ah oui, c'était quand ils devaient trier les grissines, enlever les petits cailloux des grissines. Pouline, Groussot, Perichaim, Achat Lishtaim. C'est quoi des grissines exactement? C'est des graines. Pouline, c'est des fèves, mais en fait, je pense que c'est des graines d'orge. Peu importe, je ne sais pas si on même. Et qu'on casse, on concasse dans le moulin, achat les chaim, juste on les casse un en deux, on ne fait pas de la farine. L'eau yavor est obsolète, donc il n'a pas le droit de trier la obsolète, les résidus.
L'effiche mitor chez Niantiafot ou Maalet de Menarbe et Midmem Soleil chez Natalmen. Étant donné qu'il se met à embellir sa marchandise, il va augmenter son prix bien plus que ce que concrètement l'acheteur va économiser. Ça, c'était l'avis de Abba Shaoul. Mais Chachamim nous ont dit, Chachamim Matirin, et Chachamim ont toléré de le faire. Chez Achol, Alokeach, Lirot, parce que l'acheteur ne se fait pas arnaquer. Il n'a qu'à lui ouvrir les yeux. Ou l'avrin gamad mepsolet ni chenivra. Et lui-même d'estimer, d'évaluer la quantité de résidus qu'il a à trier. Mais elou chez Yeshnan Bacherim. Il n'a qu'à aller voir les autres vendeurs. Et comme ça, calculer, évaluer. Vetov lo lealot bidmehen chez elou chez mevoarim ibnatoar. Et l'autre, et cet acheteur qui décide de vendre beaucoup plus cher que ce que ça coûte de supprimer uniquement le petit caillou, c'est son droit. Il a travaillé, il s'est cassé la tête à enlever ces petits cailloux, il a le droit de monter le prix, il va la chaque chachamim, on va le fixer comme chachamim. Ouais, attention, ou bilvad shalo yavor, je mets albi à megora, il n'a pas le droit de trier la couche externe, les ma'ala, les raot yafot, la couche supérieure pour qu'elle ait l'air belle, va être absolue, je mets tochol au birer, tandis que les résidus qui sont en dessous, il les laisse. Les fiches là qui gonèvent et taïn, bébrirato, parce qu'il est comme s'il était uniquement gonèvent et taïn. Il vole l'œil, c'est-à-dire il trompe l'œil, bébrirato, par le fait qu'il a trié comme ça superficiellement. Ensuite, la fin de la Mishnah nous disait She'en mefar kessin, lo et ta adam, lo et ta behema. On n'a pas le droit d'embellir, metaknin ou meyapin, dit le Bartanora. De gonfler, de faire que ce soit beau, lo et ta adam, de quoi on parle qu'il vend un homme, evet knani, on va dire l'imacher, un esclave qu'il s'apprête à vendre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, Bezrat Hashem, on commence un perek difficile, un des plus difficiles à mon avis, de Baba Metzia et des trois babot en même temps même. C'est le perek de Ezeu Necher, l'interdit de Ribit. J'ai constaté sur YouTube que les vues de Mishnah sont un petit peu en baisse ces derniers temps. Ceux qui veulent prendre un nouveau départ, si vous avez des amis, ben, tenez-les au courant. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, Kol Tov, c'est l'heure.